Oui, donc j'ai rencontré cette dame au Luxembourg, je disais, qui connaît Macron, enfin qui a, M. Macron a travaillé avec, avec son mari, et justement elle nous disait que M. Macron était homo en fait, et qu'il était avec Brigitte Macron, qui est une franc-maçon, d'après ce qu'elle m'expliquait, mais je comprenais pas bien le principe, et c'est juste un camouflage, on va dire, pour intégrer l'État, et pour pouvoir être président par la suite. C'est vraiment un, entre guillemets, un coup monté, il a été préparé pour ça. Donc comment elle s'est appelée, cette femme ? Véronica. Véronica, oui. J'en sais pas plus, je sais pas plus sur elle. Elle travaillait... Voilà, c'est une Française qui travaille au Luxembourg, ou qui travaillait au Luxembourg, et qui a épousé un Luxembourgeois, qui travaille à la banque Rothschild. Elle a travaillé donc ensemble avec M. Macron ? Son mari a travaillé avec M. Macron, oui. Donc elle connaissait très bien que... Ah oui, très très bien. Apparemment, ils faisaient des soirées, des restaurants, etc. ensemble. Hein. Donc Macron, il a vécu avec un homme. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle nous expliquait. En fait, il a son amour, c'est un homme. Et Brigitte Macron, ce serait juste une couverture pour pouvoir être président. Parce qu'en France, on n'est pas encore prêt à accepter qu'un président de la République soit homo. Ah hein. Oh là là. Merci pour ton témoignage. Mais de rien. Merci beaucoup. Incroyable. Ouais, on a menti de tout. Hein.